Malheureusement, ces derniers temps, on rencontre des problèmes énormes, surtout depuis qu'ils ont arrêté l'importation des matières premières par les importateurs de la revente en état. Donc maintenant, on est obligé d'importer tout à 100% de l'étranger, la chose qui est impossible parce qu'il y a des produits spécifiques qu'ils ont leurs distributeurs ici en Algérie. Il y a un savoir-faire, il y a des techniciens, il y a du consommable. Donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est des partenaires. On ne peut pas les arrêter du jour au lendemain. Donc, on est vraiment puni par cette décision. D'ailleurs, une partie de l'usine vraiment allée à l'arrêt. Si elle continue comme ça, il n'y aura pas de déblocage. Tout le secteur industriel, la PME, qu'ils ont, c'est-à-dire, ils vont avoir des soucis énormes. J'espère bien que les pouvoirs publics vont intervenir rapidement pour résoudre ce problème. Sinon, il y aura des conséquences dramatiques pour l'économie algérienne.